Et bonsoir à toutes et à tout le temps, surtout sur un nouvel épisode de sur Raft avec ce début du grand ce n'importe début, on fait pas une intro propre, on fait une intro où on se barre déjà. On se barre déjà, mais c'est pas que c'est une intro pas propre, c'est une intro de on est déjà sur la mer. Yo ho ho. Yo ho ho ho. Ça manque de musique et de chant marin quand même. Oui. Alors là, il faudrait se déplacer sur la droite du coup. Donc j'espère que vous allez bien. Nous on va bien. On est toujours aussi débiles, je crois, Vincent. Toujours. Yeah. Ouais, c'est bon. De toute façon, apparemment ça se soigne pas. Confirmé. Ma maman m'a dit que j'étais spécial. Je suis spécial. Oui. Référence Ralph Fugum. On va essayer de faire la centrifugeuse. Il nous manque 3 et 2 et 3 plastiques aussi. 3 plastiques que j'ai là. Non, il me manque un. Nice. Nice to meet you. Oh mec, quand j'arrive, la gueule du requin là que j'ai installé, mec, elle est tellement vénère. Oui, à l'avant, ouais, c'est stylé. Ah, mais j'arrive pas à monter sur le bateau. De déplacer plus loin. Je crois que tu l'avais fait, mais rien. Ah non, je sais le faire. Et là, grave. Je vais mettre là. Nous verrons bien. Nous verrons. Alors on s'approche, on est pas très très loin. Hein. Nice, nice, nice. On est à 600. On peut voir ça. Ouais. À 600 mètres. C'est la même chose quand je suis. C'est la même chose quand je suis ta femme. Ça va terminer, mec. Ah, y'a rien qui va. Au secours, aidez-nous. Ce bruit avec ta femme. J'ai des images malsaines en tête. Je veux pas savoir. Avec ce bruit. Oh non. Je ne veux pas savoir ce que t'avais en tête. Surtout que j'ai pas de femme. Du coup, j'ai imagé ta mère. Wow. Mais j'ai pas de mère non plus. Oh, donc mon je veux pas ça, je suis pas sûr ce que t'as imaginé. Maman. C'était la tienne. Hop, 500 mètres, on s'approche. Je bip si je veux. Non. Bah y'en a plein de bois là. Ouais bah je me doute que vous avez fait n'importe quoi encore. J'aime bien voir les paquets intérieurs aussi. Bon c'est toujours les mêmes par contre. Oui. Ah oui, wow. Effectivement. Bah du coup, tu rempliras aussi les fours. Un soir. Oui. Viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh ouais, ouais, oui, je te l'ai dit, hein, ça va être aussi gros. Mais il me battait pas complètement. Ouais, forcément, c'est un truc électronique. La batterie, c'est quoi? C'était du plastique et un ingot de cuivre. Ah, j'ai plus de plastique, mon ami, là. Ouais, nickel. Voilà. Centrifugeuse. Ah, ça me donne faim. La faim, c'est tort là. Ah, j'ai faim tout à l'heure. C'est vrai. Quoi. Avec moi, rien de là. Oula, le bateau vient de faire un truc qui est très étrange. Je peux pas dire bien ça. Alors, regardez sur son approche. Si on est sur la ligne, mettez les voiles droites. À 300 mètres à gauche. Ouais, donc ça approche. Tout à l'heure, on la voyait à 100 mètres. 100 ou 200 mètres, je crois. Je sais plus. Ah.
Sharknado. Oh. Ce film. Ouais. Je crois que je l'ai même pas vu. C'est un chef-d'œuvre. Alors. Oui, je vois ce que tu veux dire. Chef-d'œuvre, comment on voit ça? On va pas le s'entendre. C'est un requin, hein, ça. Il mange des gens. C'est surtout que c'est un requin qui sort d'une tornade. Oui, aussi, Sharknado. Surtout qu'il a eu genre beaucoup de suite en plus de truc là. Oui, c'est le genre de truc. Je crois que c'est le truc le plus. Ça pour ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est que je crois, comme ça, c'est qu'il y a autant de suite. Ou alors justement parce que c'était tellement débile que les gens ils ont réclamé d'autres. Je crois que je commence à voir l'île. Il en vue. Je crois que je commence à pas voir l'île. Je voyais juste une texture en fait. Ou une coffre ou deux. Oui. Et des grands, pas des petits. Oui. Et deux, hein. Oh merde, il est à l'envers. J'ai pas fait gaffe. Oh! Quoi? 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 Ah, ça a bu. Ah, quoi? Qu'est-ce que ça fait? What the fuck? Pourquoi ça fait bugger? Bah, mec, gros. Ah, bah, tu vois, je t'avais dit de vérifier. Mais je bah du coup mets-le au-dessus des autres. C'est vrai. Mais j'avais essayé, non? Il y a un navire, un grand navire sur le côté. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? À droite, peut-être. Ouais. Le voile était pas du tout dans le bon sens, c'est pas grave. Je sais pas ce que je vais être bourré. Et on est à 200 mètres et ça va être juste à côté, donc c'est peut-être ça en fait. Je vais aller mettre tout ce qui est objet. Ah, attends, on a débloqué des jumelles, on peut pas les faire. Il faut faire des bouteilles d'eau. Oh mec, ça allait être un navire vraiment fat. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ah, il y a des paraboles au-dessus. On va aller voir ça. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Merci pour les infos. Je crois que si t'avais pas été là, on aurait pas su. Par contre, après, je me dis, je pense que le poste là de navigation, il faudra le mettre dans la salle de pilotage. Quand on aura le matos. Pour faire ce qu'il faut. Une plateforme pétrolière en fait. Ouais, mais je sens bien en fait que c'est pour ça en fait que du coup on capte le truc. Bah oui. Du coup c'était ce qui nous était indiqué sur notre bouquin. Oui. Bah c'était marqué tour radio. Et c'est bizarre, ça ressemble à une tour radio avec des antennes. Non, tu crois que parce qu'il y aurait des antennes, c'est une tour radio. Bah forcément. Non mec, c'est juste une coïncidence. Très forte coïncidence, je suis d'accord, mais c'est une coïncidence. Oui. Une corde de caillou à côté, y'a rien qui va. Plus vite! Je veux aller fouiller, j'en ai marre de rester. D'ailleurs, depuis le temps que je cherchais une île, bah c'est pas une île. J'avoue! Ça a l'air déjà plus intéressant. Puis y'a vraiment des pylônes et tout. Oui. Ouais, c'est même pas un bateau en fait, c'est vraiment une plateforme pétrolière. Une éolienne. Une plateforme offshore. Et y'en a deux. Récupérer des betteraves, Vincent. Pas fait les planter, moi j'en avais fait planter une. C'est vous que je vais planter. Par contre, comment on entre? On entre pas, on force l'entrée. Oui. Par contre, on se déplace vraiment en slide. Y a rien qui... J'ai hâte d'avoir les moteurs pour pouvoir se déplacer plus rapidement et plus logiquement. C'est vraiment en fait du béton, je crois au début que c'était du feuille du papier, mais non. YOLO! Avec le requin qui rôde, c'est fou toi. Non. Je suis sadomaso. C'est différent. Et je suis même pas sûr que tu puisses monter par là. Non, moi non plus. je vais faire le tour. Explore pas tout sans moi, attends. Je vais faire le tour avec le bateau. Je cherche une entrée, Vincent. Oui. Ah, mais moi je suis sûr qu'elle était de l'autre côté, l'entrée. Voilà.
P1. Ouais. Je peux même pas fouiller les trucs. Honteux. Alors, j'attends de récupérer la note. Par contre, vos casiers sont tellement abîmés qu'ils sont gris. Oh, ça me termine. Hein. Il y a plein d'objets, il y a des étagères. Tu peux rien fouiller. À l'aide. Même pas E-Train le faisait. C'est clair. Là, il y a 2-3 trucs. Je récupère juste les matériaux. Vas-y, si je vois un truc particulier, je t'attendrai. Ouais. I got you, Bruce. I got you. Je suis là, je suis avec toi. Déjà on vient là où je suis. Là, je suis là. January. Oh. Janvier. Des semaines passent, nous sommes coincés sur cette plateforme. Ils sont en train de parler en fait. Oui, ça parle, mais c'est très bas. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. Ah, les actions, ils sont bien. I only know the team at Celine got a prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. Ah, il y a un problème par contre avec les ordures. Together, we would find a way out of this mess. Il y a plein de choses qui auraient dû agrandir dans ce jeu. Je comprends comme ça, ils sont jamais. Maybe the radio picked up something. Is it you, Sparrow? D'accord. Et là, du coup, dans les notes, je suppose que ça va être écrit. Donc les. Alors janvier. Les semaines passent. Nous sommes coincés sur cette plateforme. Hall et moi, Sparrow est parti avec le bateau. Je ne comprends pas. Tout le monde est si secret. Je ne connais même pas leur vrai nom. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe de Selene avait un prototype fonctionnel et qu'il en fallait des renforts. Les renforts, ça devait être nous. On devait trouver un moyen de s'en sortir tous ensemble, d'une manière ou d'une autre. Hall me crie quelque chose depuis la tour. Radio. La radio a peut-être détecté un signal. C'est toi, Sparrow? Coucou. 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 Caught a shark named him Bruce. Caught a shark nommé par Bruce. Attraper un requin et appeler-le Bruce, comme dans Nemo. Ah. Robbie bout gone. Robbie est tout seul sur le bateau. Oui. Bruce est après moi. Non, après non, Robbie, le bateau est parti. Bah, Gone, c'est seul, non? Non, Gone, c'est parti. C'est parti, Gone, t'es sûr? Oui, parce que seul, c'est alone. Ah, mais oui, t'as raison. Ou l'on est. Stay here. Bah, ouais, reste ici, ouais, t'as raison. Donc, Bruce est après moi, donc Bruce, c'est le requin, je pense. Ouais. Je dois rester ici jusqu'à ce que je sois un moyen de partir de cet endroit, Mike. On doit pouvoir monter là-haut, là. Attends, on l'a pas exploré, ça? Il y a un truc avec plein d'étagères. Ah, il y a vraiment que dalle. Tu peux pas fouiller, en fait. Non. Par contre, Il y a juste une caisse là où j'ai grimpé. Ah oui, t'es monté là. Took boat won't be back. Donc prenez le bateau. Ah, I got you, Bruce. Tu l'as vu ça? Ouais, ouais, je t'ai demandé d'ailleurs. Goat, goat. Got you. Ah, goat. Ah oui, goat, c'est attrapé, je t'ai eu. C'est un. Ah, lampe pour casque. Récupère la note. Ah. 22nd of December. Distress call received. Une caisse. Je regarde parce que c'est vraiment bas. Oui. 9th of January. Coco won't accept. Bah, après, c'est cool, ils ont doublé. Oui. 2nd of February. Gunshots in the distance. Tangaroa City. 14th of February. Sparrows come. At Celine. 6th of March. Another distress call. Varuna Point. Missing child. 16th of April. Rafters dreaming of utopia. Foolish hope. Ah, je vois qu'il y a du jump à faire. Je crois que c'est escalade ça ou... Ouais d'accord, c'est là. Ouais, c'est derrière, c'est ce qui me semblait. Moi j'ai vu le truc de Liane, j'ai essayé de faire ça d'abord. J'y pensais aussi mais non. Ouais, c'est... Attends, je redis la note pour être sûr de ce qu'elle dit avant de récupérer celle-ci. Ouais, vas-y. Donc note de Howl, 22 décembre, reçu un signal de Dress Hill Balboa. 9 janvier, Coco refuse de voir la réalité en face. 2 février, coup de feu au loin, Tangaroa. Point d'interrogation. 14 février, transition de Sparrow, depuis Selene. 6 mars, nouveau signal de détresse, Varuna Point, enfant disparu. 16 avril, des marins qui fantasment sur Utopia, idiot. February, we've picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not
starving. Yet, the reactor at Selene might be the only chance we have against this endless ocean. Attends, je vais commencer à avancer un peu trop. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us. Et il y a une madame. I hope je pense que ça doit être l'autre. I hope you finish the reactor. For all of us. Donc, février, nous avons détecté plusieurs signaux. Peut-être que quelqu'un va-t-il nous venir en aide. On ne meurt pas de faim, pour l'instant. Le réacteur de Selene pourrait bien être notre seule chance face à cet océan infini. Tu le savais, Sparrow ? Howl pense que tu nous as trahis. Je veux croire que tu as une bonne raison de partir sans nous. J'espère que tu parviendras jusqu'à Selene. J'espère que tu termineras le réacteur pour nous saluer à tous. Go. Je regarde si je peux pas augmenter les sons, parce que vraiment, c'est cool qu'ils aient mis, mais alors, par contre, c'est bas. Audio. Ça va être quoi ? Volume carnet, je pense ? Je me c'est effet ambiance. C'était là. Madame. Un visage connu. Ouais. Long story. Really, really long story. Anyway, nice raft. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert. Only due to the world sinking. Awesome. Let's head out. Nouveau perso, je vois pas là. Ah, c'est comme ça qu'on débloque. Oh. Ah, mec, je l'ai kické, je l'ai. Parler à Tala. En fait, je l'ai récupéré. Ah. Littéralement, je l'ai mis dans mon deck. A friendly face. Ok. Recycleur. Récupérer une note. Alors, attends, c'est quoi la note ? Des gens. À 3871, c'est la prochaine destination, Vincent. Ok. Je commence à avoir faim. T'as pas de la... Tu peux pas me jeter un morceau de nourriture ? Tiens. Wow. Quand le mec, tu lui demandes un peu de nourriture et qu'il te... Du coup, t'as ramassé ta lade, là, tu l'as sur toi. Bah, en fait, je pense que je peux changer, donc théoriquement... Ah oui, t'as vu, t'as un bouton, en fait, quand t'affiches l'échappe, t'as un bouton directement décoincé. C'était là ça dont tu parlais, ou il avait pop? Ah oui, effectivement. Bah, moi, il a pop tout à l'heure. En fait, quand j'avais le menu, tu sais, quand tu meurs, t'as monde enregistré... abandonner avec perte de machin ou quitter. Et sauf que j'avais que ça, et je te parle, et d'un coup il y a le truc décoincé qui spawn. D'accord. Et depuis, ouais, il vit dans le bouton menu. Regarde, Vincent, c'est Utopia, peut-être. Ah, Utopia. Et je crois que je me suis spoil parce que je crois déjà que je sais c'est quoi. Ah. Parce que j'ai de toute façon, ça nous a spoil vu que. On sait ce que c'est. Ouais, mais je crois que je connais la zone, c'est ça que je veux dire. Nice. Attends, reparler à elle. Mais ça lui suffisait pas, il a fallu qu'elle. Par contre, il y avait quand même. Il y avait quand même des ressources hein, dans cette tour. Ouais, il y avait pas mal de choses. Hein. Il y avait une caisse en bas, un truc de bidon de plastique. Ouais, j'ai juste récupéré un bidon de plastique. Ah oui, c'est vrai que t'es passé avant moi, toi. Voilà. Donc, ah, mais il y a un truc. Un peu au début. Attends, il y a un truc en bas aussi. En dessous de l'eau ? Sous la flotte, ouais. Genre un coffre ou une structure ? Non, plein de ferraille à miner. Non, c'est une structure en fait. Ah oui, d'accord, un bâtiment. Ouais, qui est sous la flotte. Nouvelle note ajoutée. Radio Tower Historian. Owl climbed the tower. Radio still works, apparently. Should be 2 weeks before we reach Selene, with the teams not responding. Alors, je peux venir là où je suis. Je sais pas où t'es. T'es où ? T'es dans le bâtiment en bas ? Celui submergé, ouais. Ah, celui submergé, je suis pas allé. Là, t'as droit. Ouais, là, oui, là, j'ai. Là, rentre dans le bâtiment, il y a des choses que j'ai pas pu récupérer. Attends. Comment ça, il y a des trucs que t'as pas pu récupérer ? J'ai été fou. Ah, ok. Mais y'a rien dans le bâtiment là. C'est un minute que le doublage soit aussi faible que genre vraiment. Oui, si, d'accord. Je peux pas écouter. Ouais, moi non plus j'ai rien écouté. Bah peut-être dans la note... 12 décembre, nous sommes arrêtés pour la nuit. Howl a escaladé la tour. La radio a l'air toujours de marcher. On devrait arriver à Selene dans 2 semaines, mais l'équipe ne répond pas. L'atmosphère est plutôt tendue. Les autres complexes sont déjà sous l'eau. Alors, si on a perdu Selene, il ne nous reste plus rien. Pour couronner le tout, Sparrow ne nous adresse plus la parole. J'espère vraiment qu'on n'est pas le dernier espoir de l'humanité. Coucou. Tiens.
qu'on a récupéré, je sais plus comment. Ah bah du coup on a déjà... C'est sur le cuir, c'est sur le facochère. Le cuir, c'est sur le facochère. Ah ouais. Ah bah non, on l'a déjà étudié. Ah, il m'avait pas... ah non, c'est de laine qui nous manque. On l'a déjà étudié. On a le recycleur. Le recycleur, elle a dit que c'était à quoi? Je sais plus. Le recycleur, bah c'est pas pour respirer sous l'eau. Oui, non. Et une canne à pêche en métal aussi. Ouais, c'est moi qui l'avais faite normalement. On voulait retourner avec pas une autre. Ah non, je regardais mes crafts moi en fait. Ah oui, moi je l'ai faite. Oh, je découvre qu'on a fait une canne à pêche en métal. Bravo. Quitte le coffre parce que du coup je peux pas accéder au craft. Ah oui, si, je vais pas accéder dans un coffre. S'il y a qu'un premier, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ouais. Parce que du coup je peux essayer de faire ça, ouais. Pour être sympa aussi, c'est une bouteille, bouteille d'oxygène. Hein. Tu fais quoi? Ça a l'air assez gros. C'est quoi ça? Le recycleur. Ça sert à quoi? Recycle les ressources basiques en monnaie pour le comptoir d'échange. Bah alors, en fait, d'accord. Ah, les déchets! Ouais. C'est ça. Alors, par contre, faut une batterie. Ouais, bah on peut en faire une normalement. Non. J'ai plus de cuivre. T'as du cuivre, des minerais de cuivre à faire? Non, non, j'ai tout posé là-dedans, j'ai plus rien sur moi là. Ah merde. Attends, on est. Il y a une île, il y a un truc en profondeur, on peut peut-être choper des ressources. Oui. Ça pourrait être intéressant. C'est vous qui êtes pas grave là. Non, je suis aigu. Juste les bouteilles d'oxygène. Bon, après, les palmes. Ah oh punaise, je crois que j'étais. Bon, est-ce que tu peux venir me sauver s'il te plaît? Ah, lui c'est tué. Je suis dans la flotte, non c'est le requin qui m'a bouffé. Ouais c'est ce que je dis, toi tu t'es tué. Au large, pas vers... pas vers le truc de l'autre côté plutôt, vers l'avant droite du bateau. Ah oui, l'avant droite. Ah oui, je te vois là-bas. Je vois un homme... Ouais. En vrai, tu te fais coincer théoriquement. Non, non, là il n'y a pas le bouton, je pense que c'est, si c'est trop long en fait. Ah j'ai pas fait échappe. Non échappe ça marche pas. Ah merde. J'ai récupéré des feuilles, du coup c'était à lâcher. À cause de vous, je me fais croquer. Hop. J'espère que vous êtes fiers de vos bêtises. Oui, je suis fier, c'était mon objectif. Parce que j'ai quand même craint. Oh, c'est vraiment. Bah, tu plonges vraiment sur le requin. Alors, ça donne quoi? Ouais, ça. Alors, ta barre de vie elle augmente pas, mais c'est juste qu'elle est plus lente en fait. Ouais, c'est ce que je pensais. Enfin, ta barre de nage finalement. Non, la barre d'oxygène. Donc par exemple, les feuilles de panier, non. On en a genre une grosse blinde, sa race. Ouais, effectivement, ça descend beaucoup plus lentement. Ça voudrait donc dire que si je place tout ça là... Mais du coup, t'as vu la tronche que j'ai avec ça? Alors c'est attends, viens voir. Vas-y. Ah oui, t'as une bouteille dans la bouche. C'est enfin, ça. Une bouteille, ça se boit, ça se mange pas, arrête. Attends, je vais boire. J'ai ma bouteille d'eau là, je sais pas si tu vois dans ma main. Je vais boire avec la bouteille sur ma bouche. Waouh. Ah oui d'accord, y'a rien qui va. Attends, je vais manger une pastèque. Démoniaque. Ça va pas du tout. Y'a rien qui va. Parce que moi. Pas de choubli qui fait spammer. Je crois qu'il vidait toute la bouteille, j'étais en mode bah c'est bizarre, j'ai mis 3 bouteilles dedans. Non en fait non. Juste un G. Est-ce que tu peux le jeter plusieurs fois? Rien ne va. Bon, je propose de continuer du coup la prochaine fois. Et puis je reprendrai l'épisode là où on en était. Pour là, on donc en fait, on tout fait une coupure et puis. Ouais, c'est ça. Il faudra s'en souvenir la prochaine fois. Ça devrait aller. Après, on est jamais à l'abri d'être des blaireaux. Ça, c'est mal barré. Par contre, du coup, c'est bien parce que par exemple, les feuilles de pommier, on a pu s'en débarrasser un peu. Mais alors, une batterie, ouais, j'avais dit qu'il manquait. Je vais t'en rajouter. Ah et du cuivre, on en a pas. Du cuivre on en a. Non du cuivre. Ah non du cuivre, non. Du cuivre Vincent. C'est à cisaille aussi. Oui. J'en ai fait. Il a fait de la cisaille. Cisaille. Bon. Allez hop.